Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Arnaud de Question de Coach. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation de la contribution hebdomadaire au déconfiné de l'IT. Vous voulez découvrir le sujet? Je vous laisse quelques images. C'est normal, c'est un manque d'honneur. Non, c'est le manque d'honneur. Le manque d'honneur, c'est ton comportement vis-à-vis de l'alliance. Mais arrête de retourner la C'est un manque de maturité. C'est un manque de maturité. Arrête un peu. C'est toi qui manque d'honneur. Et moi, je t'ai pas emmené avec moi quand j'ai. Mais moi, je t'ai pas emmené avec moi. On suit la recomposition des équipes. Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a à me regarder là avec ton sourire de je sais pas quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais le papa, mais en fait, triste vie. Elles sont agaçantes, ces situations. Vous savez, ces situations que vous avez peut-être déjà rencontrées dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle, vous avez l'impression que vos messages ne passent pas, que votre interlocuteur ou votre interlocutrice n'en a strictement rien à faire des limites que vous essayez de poser, de votre opinion. L'idée de l'article de cette semaine, c'est de vous accompagner dans cette problématique. On va partir d'un point théorique qui s'appelle l'assertivité. On va donc parler d'affirmation de soi et on va se baser sur une méthode que là aussi vous avez peut-être déjà croisée qui s'appelle la méthodologie DESC. Un autre aspect qu'on sera amené à traiter dans cet article, c'est ce qu'on appelle les jeux relationnels. L'idée, c'est pas de vous transformer en cyborg dénué de toute émotion ou de tout sentiment, bien évidemment, mais l'idée, c'est de vous accompagner pour faciliter une prise de hauteur qui va vous permettre de sortir de ces fameux jeux relationnels et notamment d'un en particulier qu'on appelle le triangle dramatique de Cartman. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite donc à cliquer sur le petit lien qui s'affiche. Vous pouvez également vous rendre sur le site directement des déconfinés de l'IT. Et bien évidemment, je vous encourage à suivre le hashtag correspondant afin de rester au fait de toutes nos actualités. Ciao.